Est-ce que nous avons d'autres personnes qui nous visitent? Alors bon, vous êtes tous à la maison. Ah, mon frère, bienvenue à Bethel, mon frère. Donc nous vous souhaitons de passer un bon moment pendant que vous êtes venu ici pour adorer avec nous. Nous avons quelques annonces à votre intention juste avant l'appel à l'adoration. Le coordonnateur, frère Hossein Jean-Baptiste, aimerait rencontrer après, tout de suite après le culte le frère Richardson Junior Joseph, le frère James Gracia, la sœur Samantha Sanon et la sœur Edgy Etienne. Également, la sœur Yannick, la femme du pasteur, aimerait rencontrer les femmes des anciens. Donc, tout de suite après le culte, voici les noms. Il y a sœur Bédeline Jean, sœur Nadège Coriolan, sœur Rudeline Tolès, sœur Osnide Antoine, sœur Fleurette Sénatus, sœur Samantha Sanon, sœur Claire Myrène Joseph et sœur Alexandra Alexandre. Également, nous vous demandons de faire attention à l'extérieur lorsque vous arrangez vos voitures, de vous assurer de ne pas bloquer le passage parce que quelqu'un pourra avoir besoin de sortir d'urgence. Et là, il faudra vous déplacer, aller démarrer votre voiture, sortir du parking, retrouver un autre parking encore. Donc, l'idéal, c'est de se trouver un parking à l'extérieur si ici, c'est déjà rempli. Donc, s'il y a des gens en ce moment qui ont leur voiture qui bloquent le passage, nous vous prions de les déplacer. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas le frère Eddy Désiré dans vos prières. Donc, nous avons pu parler avec sa femme cette semaine. Il est encore à l'hôpital. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il avait de la fièvre en ce moment. Donc, continuez à monter les prières pour lui en sa faveur, pour que Dieu puisse faire opérer son miracle envers lui. Appel à l'adoration. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit « que tous les anges de Dieu l'adorent. » De plus, il dit des anges, « Celui qui fait des anges, des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Amen.
Seigneur, c'est avec un immense plaisir que nous voulons faire monter par devant ton trône nos tribus de louanges, nos actions de grâce au cours de ce culte d'adoration. Ce moment est à toi. Veuille, s'il te plaît, prendre place au milieu de nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir l'opportunité de louer Dieu, de le glorifier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais juste avant, nous allons appeler la sœur Géraldine Raymond dans un chant spécial. Bonne audition. Je vais vous dire ce matin, je sais que Dieu m'aime. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Amen. Attends, je ne suis pas trop sûre. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Amen. Il vous a tellement aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas là. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait tellement qu'il vous a aimé? Afin que? Gloire à Dieu. Ce matin, avant de... En fait, je vais demander au technicien de mettre la musique, si ça fonctionne. Sinon, on va faire autrement. Ce matin, je voulais juste vous dire aussi, je ne suis pas un amuseur public. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous amuser. Je ne suis pas là pour vous chanter. Je suis là pour glorifier mon Père, qui est dans les cieux. Alors, si mon Père est glorifié, j'espère que vous, vous serez bénis. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est une question de cœur. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Moi, je ne vaux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Concentrez-vous sur celui qui est capable de vous libérer. D'accord? Nous allons faire ça. Oh, j'aime les techniciens. C'est fort. Ok. Patience. Il y a puissance, tu connais? Dans le nom de Jésus. Tu connais? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Elle brise toutes les chaînes. Elle brise toutes les chaînes. Elle brise toutes les chaînes. Les techniciens, vous êtes prêts? Okay. Nous allons chanter ensemble Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Parce que le Seigneur, il n'y a jamais de blocage pour Dieu. On y va. On va chanter ensemble. Dieu Tout-Puissant. Ensemble. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, les ombres du soir, les ombres du soir, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alors s'élève un chant, on s'élève un chant. Celui qui vous a réveillé ce matin,
Dieu tout-puissant, il est grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera, s'élèvera de son trône éternel. Alléluia. Et que le sang, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que ton amour, Jésus, que ton amour. À la sœur Géraldine. Pour ce mois de février, notre thème de louange, c'est louange Jésus, le Rédempteur. Alors, si nous pensons à la mission que Jésus avait sur terre, sa mission, c'était de nous réconcilier. C'était de nous réconcilier avec Dieu et de nous réconcilier avec notre prochain. Et c'est pour ça qu'il mérite toutes nos louanges. Apocalypse 5, 9 et 10, il a dit. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, ceci nous montre combien c'est important de louer Jésus, parce que c'est en son nom que nous sommes capables de nous approcher de Dieu par la prière. Nous allons nous mettre debout et je vais vous inviter à chanter ensemble. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Jésus seul.
puissance, nom Jésus, tout ange doit faire sa terre. Je chanterai ton grand amour.
Bonjour, chers frères et sœurs. Notre texte de méditation se trouve dans Romains 12, les versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Éternel, notre Dieu, notre Père, Créateur de l'univers, toi qui siège dans les hauts cieux et qui vois tout ce qui se passe en ces bas lieux, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu nous as permis de traverser les heures de la nuit sous l'étreinte de tes bras éternels. Nous ne savons pas combien de fois l'ennemi a voulu nous attaquer, mais toi, tu tiens ta promesse. Tu étais là avec nous pour nous protéger. Tu as envoyé ton ange protecteur autour de nous pour nous arracher contre tout danger, contre tout accident, contre tout malheur. Puis tu nous as éveillés pour contempler les merveilles de ton amour. Gloire et louange soient à toi, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Nous en avons fait pas mal. Et nous t'en supplions de te demander de nous pardonner. Même pour ceux qui nous ont fait du tort, Seigneur. Ô Éternel, tu nous as donné le ministère du pardon. Parfois, nous ne le mettons pas en pratique. Nous le faisons en parole. Mais nous t'en supplions avec instance, dès maintenant, de nous aider à pratiquer ce ministère. De nous apprendre à pardonner même ceux qui nous ont fait du tort, Seigneur. Nous avons fait du mal aux autres. Et nous avons fait du mal à toi. Parfois, nous pensons à faire le bien, mais à tes yeux, c'est un mal. Pardonne-nous pour les péchés que nous ignorons. Oh, nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu as conduit nos pas dans ta maison pour t'adorer. Oh, Éternel, en tant qu'humain, parfois, nous avons tendance à même à ignorer ce que tu as fait pour nous. Mais grâce au Saint-Esprit qui nous a éclairés pour nous aider à comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi tu nous as créés, Seigneur? Et vraiment, tu nous as créés pour ta gloire et pour ton service. Mais nous ne faisons pas ce que nous aurions dû faire. Nous t'en supplions avec instance de nous aider à te servir, Seigneur. De nous façonner en ta manière pour nous faire quelqu'un de ton royaume, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons être de bons citoyens, de bonnes citoyennes, Seigneur. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à te servir, pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous aide à te comprendre, qu'il nous transforme à salut, Seigneur, qu'il nous montre toujours le chemin où nous devons marcher pour avoir part à la vie éternelle.
qui nous aide, Seigneur, à aimer les autres, à comprendre les autres, à apprendre à supporter les autres, Seigneur. Toi, tu nous supportes en tant que pécheurs que nous sommes. Pourquoi nous ne voulons pas supporter nos frères et sœurs, même ceux qui ne nous aiment pas, Seigneur? Oh Dieu, trois fois saint, tu nous as appris l'humilité, mais nous ne la pratiquons pas. Nous t'en supplions de nous aider à être humbles les uns envers les autres, Seigneur. Tu nous as pris des gens ordinaires que nous étions pour nous faire des gens de ton royaume. Nous te remercions pour cela. Nous t'en supplions de ne nous pas aider à avoir de très hautes opinions envers nos frères et sœurs dans la foi. De nous apprendre à comprendre les autres, à les aimer, Seigneur. Oh, ce matin, nous invoquons ton si grand nom, Seigneur, pour te dire merci pour Jésus, ton Fils, que tu as envoyé mourir sur la croix pour qu'il se guérisse l'homme tout entier de toute maladie, de toute faiblesse, Seigneur. Et nous voulons citer pas mal de tes enfants qui sont malades, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui savent que Jésus est capable de les guérir. Nous pensons à frère Eddie Désiré, qui est un militant de longue date, Seigneur. C'est un soldat, mais un soldat du Christ est tombé dans la bataille, mais tu es capable de le relever aussi. Nous pensons à sœur Carmen La Rochelle, qui est une militante, même membre fondateur de cette église, fondatrice de cette église, Seigneur. Eh bien, elle est malade. Elle a besoin de toi. Nous pensons à frère Anderson. Seigneur, eh bien, nous savons bien, il était malade. Il est un militant, c'est le premier ancien de cette église. Nous pensons à d'autres frères et sœurs dans la foi qui sont malades, Seigneur. Mais nous savons bien, ta main guérissante d'autrefois n'a pas perdu sa puissance. Tu es capable d'étendre ton bras puissant seulement sur tes enfants et ils seront guéris. Tu as un ministère pour eux. Tu as un plan pour eux, Seigneur. Oh, nous t'en supplions selon ta sainte et bonne volonté de les guérir pour dire aux autres combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur. Nous autres, nous avons besoin de la guérison spirituelle, Seigneur. La guérison divine. Il y a parmi nous dans l'assemblée des gens qui souffrent. Nous autres, nous ignorons. Mais toi, tu les vois. Nous te demandons, pendant que tu es là, pendant que tu passes, d'opérer un miracle dans leur cœur, dans leur vie, pour qu'ils se sentent guéris, guéris par toi et par toi seul, Seigneur. Non, il y en a qui n'ont pas la paix, qui ont besoin de paix. Il y en a qui ont besoin du travail, des jeunes qui ont fini d'étudier, qui ont besoin du travail. La terre est à toi, l'eau est à toi, tout est à toi, Seigneur. Nous t'en supplions de leur donner tout ce dont leur cœur désire. Il y en a, Seigneur, qui sont en train d'étudier, et bien qui ont besoin de l'intelligence pour apprendre et pour comprendre. Nous t'en supplions de leur donner de l'intelligence. Il y a des petits-enfants qui sont parmi nous, qui ont besoin de toi, Seigneur, pour les aider à grandir dans ta voie. Nous t'en supplions dès maintenant de saisir leurs mains, de les aider à grandir en sagesse et en grâce, Seigneur, pour devenir des gens comme Jean-Baptiste, pour annoncer la bonne nouvelle de ton royaume. Ô Dieu, trois fois saint, nous croyons en toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous sommes des pécheurs, mais heureusement, tu es mort pour nous. Eh bien, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Quand nous sommes découragés par la vicissitude de la vie, quand nous pensons à cette espérance bénie que tu as en réserve pour nous, eh bien, nous reprenons courage. Tu nous as dit, ce que tu réserves pour l'homme, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui n'ont jamais monté dans l'esprit de l'homme. Oh Dieu, quel privilège, quelle espérance. Nous avons confiance en toi. Quand nous pensons à tout cela, eh bien, nous reprenons courage pour marcher dans la foi, pour reprendre le chemin de la vérité et la vie jusqu'à la victoire, Seigneur. Nous voulons te présenter ce matin le messager du jour, le pasteur de l'Église. Tu l'as choisi pour conduire ton peuple à bon port. Il a un message pour ton peuple, mais le message ne vient pas de lui, c'est de toi. Ne permets pas qu'il parle de lui, mais qu'il dit directement ce que tu as pour nous, Seigneur. Et fais que ce message qu'il va nous délivrer nous conduit toujours au terme de notre pèlerinage sur cette terre. Ô Dieu, trois fois saint, bénis-nous. Tu nous connais. Bénis tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui ne sont pas avec nous, Seigneur. S'il y a des gens de l'Église qui sont en Haïti, qui sont malades, tu les vois, tu les connais. Seigneur, nous pensons à eux aussi. Oh Dieu, trois fois, il y en a qui voyagent dans les hautes mers, sur terre, dans les airs, pour nous prodiguer des soins alimentaires et médicaux. Nous te demandons de les permettre de jouir, de bénéficier les bénédictions que tu as pour nous en abondance. Oh Dieu, il y en a qui veillent au chevet des malades.
et qui met le cœur, Seigneur, à leur travail pour que les malades soient guéris. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de tous tes enfants qui sont éparpillés à travers la terre entière. Tous ceux qui prient, tous les prédicateurs qui sont allés de près et de loin pour répandre la bonne nouvelle du royaume, pour que tu puisses revenir bientôt. Souviens-toi du Seigneur. Permets qu'ils sachent que nous pensons à eux et nous te prions pour eux. Ô Éternel des armées, bénis-nous. Écoute nos prières. Pardonne nos péchés. C'est tout cela que nous te demandons. Par Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Service de fidélité. Un jour, nous verrons Jésus face à face. Le croyez-vous, frères et sœurs? Amen. En tant qu'adventistes, nous attendons un jour glorieux quand les cieux s'ouvriront et que notre Rédempteur viendra comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour nous chercher. Quel beau jour ce sera! Jésus a dit clairement dans Matthieu 24 qu'avant l'arrivée de ce jour, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Un moyen par lequel cette prophétie s'accomplit à notre époque et grâce aux efforts des ministères de télévision adventiste. Nos offrandes d'aujourd'hui serviront en partie à aider une initiative globale qui consiste à annoncer l'Évangile à autant de gens que possible au moyen des médias. Nous nous inclinons sensiblement pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier pour la santé que tu nous donnes. Merci de nous avoir accompagnés tout au cours de cette semaine. Nous avions pu travailler et en ce matin, nous nous présentons devant toi avec nos dîmes et nos offrandes. Que tu les bénisses pour nous et permet au Dieu à ce qu'elle soit utilisée exclusivement à la prédication de ton évangile, tout en pardonnant nos péchés en Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous laissons avec le groupe de chant. Chantons « Écoutez l'appel du Dieu des âges ».
Amen. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais simplement vous rappeler une chose avant de céder la place au pasteur. Un lépreux s'étant approché de Jésus, implora son secours. Il lui dit de le sauver. Et vous savez quelle a été la réponse de Jésus? La Bible nous dit qu'il s'est fait un plaisir de secourir ce lépreux-là, de le guérir. Et ce message s'adresse à nous aujourd'hui aussi. Il nous dit que lorsque deux ou trois d'entre nous se rassemblent, il est au milieu de nous. Et il se fait aussi un plaisir de répondre à nos requêtes. Mais il va nous répondre selon l'immensité et la grandeur de notre foi. Faisons agir notre foi, car il est là en ce moment. Avant de céder la chair au pasteur, nous allons appeler la sœur Géraldine qui va nous chanter un morceau. Ok, bon, alors, moi, le CD, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Mais nous allons célébrer l'Éternel. Ah, ça marche. Yes. Ok. Alors, nous allons chanter, célébrer l'Éternel. Mais je voulais vous... Écoutez, je vous demande pardon si pendant les trois fois que je me suis présentée, j'ai parlé. C'est que j'ai quelque chose à cœur. J'ai un projet que Dieu m'a mis à cœur. J'aimerais ça avoir votre aide là-dessus. Mais par-dessus tout, le projet, c'est pour aller trouver, toucher les autres. Parce que la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, il y a beaucoup de mes frères et de mes sœurs à l'extérieur qui doivent entendre que Jésus les aime. Donc, moi, j'ai à cœur ça. J'aurais besoin de votre aide. Ben, après le service, si vous voulez, venez me voir. Puis, je raconterai c'est quoi que j'ai en tête. Mais pour le moment, comme a dit notre frère Ricardo, connectez-vous avec le Père. C'est lui qui est capable de tout faire, selon votre foi. Aujourd'hui, je comprends que le passé peut parfois prisonnier et une destinée. J'essayais de plaire à tout le monde. Je voulais changer le monde. Combattant l'inconnu, j'avais donné des coups et j'en ai reçu. Oui. Échec, déception, incompréhension. J'avais fini par abandonner. Puis un beau jour, l'espoir m'a tendu la main. Il m'a redonné la joie, le goût de vivre. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mon avenir est glorieux, la vie me sourit. J'avance, à grands pas j'avance, malgré toutes les circonstances. J'avance, sûrement j'avance. Contre vents et marées, j'avance vers mon sauveur, car lui seul me guide sur la voie. Il me dit, viens, viens, avance. Oui, par la foi. Et j'avance, j'avance. Je prends ma victoire et j'avance.
Dieu t'aime. Peu importe ce qu'on a dit de toi, je veux te dire que Jésus-Christ, il t'aime. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, parce que des fois on suppose que tout le monde qui est dans la salle a accepté Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, c'est le temps de le faire. Parce que au dernier jour, tu veux vraiment être avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Avez-vous passé une très bonne semaine? Oui. On a eu des hauts et des bas, mais Dieu a été à nos côtés, n'est-ce pas vrai? Et il nous aime d'un amour incommensurable. Et c'est pourquoi il nous a conduits, les pas ici, pour non seulement lui offrir un culte, mais bénéficier de ses grâces. Nous remercions sincèrement la sœur Géraldine pour ce chant qu'elle vient d'exécuter, non seulement la gloire de Dieu, mais qui nous ouvre encore une fois les yeux sur l'amour de Jésus-Christ, sa sécurité qu'il met à notre disposition. Merci encore, sœur Géraldine. Le sujet de ce matin est un sujet intéressant, mais bien avant, je voudrais rappeler à tout le monde que tout cet après-midi à 3 heures, nous attendons tous les garçons, je refuse de dire les hommes, tous les garçons, depuis les adolescents jusqu'aux plus âgés. Parce que quand on dit les hommes, on ne peut pas compter les jeunes trop. Mais quand on dit les garçons, quel que soit son âge, on est garçon, n'est-ce pas vrai? Donc nous disons tous les garçons, depuis les adolescents jusqu'aux plus âgés. Donc nous, c'est pourquoi nous n'avons pas dit les hommes, pour ne pas faire exception des jeunes adolescents. Donc, c'est très important cet après-midi, à partir de 3 heures, nous vous attendons, n'est-ce pas vrai, tous les... Alors, même si je dis les hommes, nous vous attendons tous cet après-midi à 3 heures. Donc, on s'organisera pour terminer à temps, parce que on doit revenir ce soir pour chercher l'Éternel au cours de notre demi-veillée de prière mensuelle. Je tiens à rappeler, je pense que c'est ce que Frère Ricardo allait dire quand il avait commencé à parler avant d'annoncer le chant. Nous constatons les sambas, un petit problème du côté là, je ne sais pas si je peux appeler ça la cour, du coup à côté, trop de vacarme, trop de va-et-vient, trop de gens qui parlent. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, on fait la différence entre le sanctuaire, les parvis et autres. Mais vous savez que quand quelqu'un rentre et voit toutes ces choses-là, on se demande, est-ce qu'on est à l'église, s'il vous plaît? Vous êtes venu pour adorer. Quand vous êtes une fois arrivé, n'est-ce pas vrai, prenez la direction de l'enceinte de l'église. C'est pourquoi vous êtes venu, pas pour jaser, parler, n'est-ce pas vrai, à côté. Vous avez le temps de le faire après le culte. Donc on s'est déjà organisé avec le corps diaconat qui seront de service, s'il vous plaît. Il y a certaines personnes, quand les diacres et les diaconesses leur demandent de se déplacer, n'est-ce pas vrai, qu'ils résistent? Non, nous sommes ici et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, s'il vous plaît, les samedis, quand vous venez, ne restez pas de l'autre côté faire des groupes là, en train de parler, les jeunes comme les adultes, parce qu'on ne peut pas viser un groupe d'âge. C'est presque tout le monde qui se trouve là-bas assez souvent. Donc, tandis que les diacres et le corps des diacres va prendre toutes les dispositions pour vous accompagner, de sorte que les samedis, qu'il y ait une atmosphère assez agréable à l'adoration. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Tandis qu'un groupe est à l'intérieur, chanter, etc., méditer, et puis un autre groupe est de l'autre côté, bouillante, parler, bavarder, mon frère, c'est pas une bonne chose. Donc, si vous êtes venu pour adorer, assurez-vous que vous êtes, vous conformez pour recevoir les bénédictions du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je sais que vous êtes des gens civilisés, on n'aura plus à vous parler de ça. N'est-ce pas vrai, tous les samedis, si vous allez vous déshabiller, n'est-ce pas vrai, enlever votre manteau, vos chaussures, vous le faites et puis vous rentrez tout de suite après. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, frères et sœurs. Donc ce soir, 9h, la demi-veillée de prière, mais nous apprécions la présence des frères et sœurs qui viennent les matins à 9h. On a un petit peu de temps de prier avant de commencer avec l'école du sabbat. Je pense qu'on ne prie jamais trop et puis on en profite pour prier et offrir des prières spéciales. Donc les samedis 9h, on vous attend tous ceux-là qui peuvent venir. Venez, ce qui nous permettra d'avoir l'église à un degré à l'heure. Donc nous vous attendons tous les samedis à 9h. Il y a toujours des gens disponibles pour organiser cette partie de la matinée d'adoration. Avant d'ouvrir la Bible pour méditer la parole de Dieu, c'est trop demandé de chanter le premier et le dernier couplet du numéro 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous chantons le premier et le dernier couplet. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célèbres phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Ton amour dans notre cœur, et puis de chaque de nos dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse sans tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse sans tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun d'eux nous disposer chaque jour. Nous voulons un retour, t'aimer bon Sauveur. Dieu mérite-t-il d'être aimé? A-t-il fait pour nous beaucoup de choses? En sommes-nous conscients, frères et sœurs? Le message de ce matin se trouve dans Romains chapitre 12. Et nous allons surtout rester aux deux premiers versets, les versets 1 et 2, que je lirai, relirai pour vous en ce moment. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Normalement, les versets 1 et 2 constituent, je ne sais pas si je peux appeler ça une transition, mais le début de la deuxième partie de cette épître de Paul, de l'épître aux Romains. En effet, dans les 11 premiers chapitres, Paul prend le temps de chanter la compassion de Dieu pour une race pécheresse et perdue.
Et je pense que Paul aurait pu peut-être utiliser ce fameux verset que nous connaissons tous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, durant ces 11 chapitres, il a pris le temps de bien présenter la compassion de Dieu pour la race humaine, cette race déchue et perdue. Mais il va mettre beaucoup plus l'accent sur la miséricorde de Dieu. Une miséricorde qu'il a étendue, manifestée à l'endroit des juifs et des gentils. Pourquoi, n'est-ce pas vrai, dans ce chapitre-là, Paul n'a pas manqué de mettre en évidence la miséricorde de Dieu pour les païens, la miséricorde de Dieu pour les juifs. Est-ce que Dieu a été miséricordieux vis-à-vis des juifs, puisque c'était le peuple élu de Dieu? Oui, parce qu'à un certain moment donné, ce peuple a tellement péché que Dieu, n'est-ce pas vrai, comme punition, l'avait jeté en captivité à Babylone, hein, et il était pire, ce peuple était pire que les païens, au point que les Israélites acceptaient d'offrir au Dieu Moloch des enfants, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, d'autant plus qu'il est le créateur des enfants. Donc, ce peuple se trouvait dans une situation immorale si grave qu'il n'avait plus droit à la miséricorde de Dieu, de sorte que même s'il était le peuple élu de Dieu, mais il jouissait d'une miséricorde infinie de Dieu. Et l'apôtre a attiré l'attention de ses lecteurs romains de la miséricorde de Dieu vis-à-vis des juifs. Mais aussi des gentils, parce que les juifs les avaient considérés comme des rejetons, ceux-là qui n'avaient pas droit au salut. Mais Dieu a eu également miséricorde, de sorte que Dieu a miséricorde de tous les humains, de son peuple qu'il avait élu sur la terre, qu'il avait choisi, mais également de tous les hommes qui s'étaient révoltés contre lui. Un Dieu miséricorde, bon à l'infini. L'apôtre a eu le temps de chanter l'amour profond de Dieu, un amour infini. Et c'est probablement en réponse à cet amour qu'il nous invite en tant que chrétiens, probablement. Il est vrai que la lettre a été adressée aux Romains, mais tout en étant une lettre adressée aux Romains, mais adressée aux chrétiens de tous les âges, de sorte que, n'est-ce pas vrai, la deuxième partie du livre, Paul débute cette deuxième partie avec un aspect assez pratique qui s'adresse à chacun de nous ici, chrétiens, qui sommes conscients de sa miséricorde, de sa compassion, de son amour infini. Et si Dieu a été bon pour les juifs, il l'est pour nous, frères et sœurs. Et ce message que Paul a adressé aux chrétiens de Rome est adressé à chacun de nous, de sorte que si dans la première partie du livre, c'est-à-dire les chapitres 1 jusqu'au chapitre 11, il a mis en évidence la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu pour une race perdue et déchue, pour les juifs et les gentils, et maintenant, il se tourne vers cela, n'est-ce pas vrai, pour que Dieu a manifesté cet amour si profond pour leur adresser une demande logique et sensée. Et pour débuter, il va, pour mettre en évidence encore l'amour de Dieu, il va utiliser « frère ». Parce que avant la venue de Jésus-Christ, nous étions tous des ennemis. En s'adressant aux Romains, Paul dit « frère ». Cela veut dire tout simplement, il est conscient de cet amour. Paul qui était un ennemi de Dieu, Paul qui était un ennemi de tous les autres, maintenant il se considère comme le frère des Romains. Et tandis que Paul était en prison par les Romains, n'est-ce pas vrai? Et il les appelait frères parce que l'amour de Dieu est si profond qu'il a fait de nous les enfants d'une même race. Nous sommes tous issus du sang de Jésus-Christ. Et c'est au nom de cet amour que Paul va adresser, n'est-ce pas vrai, encourager. C'est pour cette raison le titre de la méditation de ce matin, c'est « Un authentique témoignage de reconnaissance ». Donc, Paul a cherché a piqué la curiosité des Romains sur l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa compassion, pour qu'en retour, n'est-ce pas vrai, il leur demande de faire quelque chose pour signifier cet amour dans leur vie de chaque jour. Et aussi, Paul va débuter, n'est-ce pas vrai, la deuxième partie de son livre avec cette expression « Je vous exhorte ». Une exhortation est à la fois un conseil, mais la plupart du temps, tout en étant un conseil, peut avoir une certaine forme d'ordre. Je ne sais pas si ici l'exhortation de Paul a seulement le sens d'un conseil ou le sens aussi d'une recommandation. Mais entre les lignes, j'ai comme l'impression, après avoir défini la grandeur de l'amour de Dieu, et à travers cette exhortation, n'est-ce pas vrai, il veut aller plus loin qu'un simple conseil, mais comme une recommandation. Je vous exhorte, frère. Je vous encourage, frère.
Je vous recommande, frère, parce que vu tout ce que Dieu, n'est-ce pas vrai, vient d'expliquer, que Dieu a fait pour nous, je vous conseille, mais également je vous recommande. Je vous exhorte donc, frère, pourquoi? Par les compassions de Dieu. Un Dieu compatissant qui accepte d'offrir son fils unique sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et c'est Dieu lui-même qui a sacrifié son fils pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et c'était une compassion infiniment grande. Et n'est-ce pas vrai, je vous exhorte, frère, par la compassion de ce Dieu qui se montre si bon, si miséricordieux, envers vous, avec quoi? À offrir. Le verbe « offrir » dans l'original peut signifier également « mettre, remettre à ». De sorte que c'est comme Paul voulait dire, je vous invite à remettre. Quand on remet à quelqu'un une chose, ça signifie quoi? Ça ne t'appartient plus. Je te remets, c'est-à-dire ce n'est plus à moi. Donc en disant je vous invite, je vous exhorte, donc frère, à offrir, c'est-à-dire à remettre, à mettre à la disposition de. Je vous exhorte donc frère, par la compassion de Dieu, à mettre à la disposition de Dieu, à remettre à Dieu votre corps, vos corps. On pourrait facilement interpréter le mot vos corps par le sens, certaines personnes pourraient penser que Paul s'adresse à l'être tout entier. Non. Si Paul voulait s'adresser à l'être tout entier, il aurait tout simplement nous demandé d'offrir nos personnes, notre être à Dieu. Paul voulait mettre accent sur une partie importante du corps. C'est la partie matérielle, physique. Il n'a pas inclus l'intérieur. Il a tout simplement demandé de faire une chose, d'offrir vos corps. Pas le corps intérieur, le corps physique, matériel, qui est tout simplement composé de plusieurs organes et qui est également le lieu de nos activités. C'est par le corps physique que nous entreprenons quotidiennement nos activités de toutes sortes. Et c'est ce corps physique qui est là pour permettre aux autres de réaliser qui sommes-nous. Donc, il présente cela comme pour dire que notre corps est comme une vitrine qui expose quelque chose de plus précieux que nous avons, qu'on veut mettre en évidence, mettre en avant. Offrir vos corps. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Et il va commencer à dire, offrir de quelle manière? Comme sacrifice vivant. Pourquoi l'apôtre parle-t-il de sacrifice vivant? Probablement, il veut mettre en contraste les sacrifices de l'Ancien Testament inscrits dans le Lévitique, dans le livre de Lévitique, qui n'étaient pas un sacrifice vivant. Parce que dans le Lévitique, les sacrifices, à chaque fois qu'on devait offrir un animal en sacrifice, il fallait égorger cet animal. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand on égorge l'animal? C'est que l'animal n'est même pas conscience de son sacrifice. Parce que celui qui disposait de son corps, n'est-ce pas vrai, devait l'égorger, et c'est après l'avoir égorgé qu'on devait offrir la victime en sacrifice. Le premier élément sur lequel il veut attirer notre attention en disant « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant », c'est en comparaison, n'est-ce pas vrai, comme contraste, en opposition à Lévitique, à l'ancienne alliance où les victimes a été offertes à Dieu, n'est-ce pas vrai, non pas vivant comme mort et consciente. Le deuxième élément sur lequel probablement je pense qu'il veut attirer notre attention, c'est que la victime n'était non seulement pas consciente qu'il s'offrait en sacrifice, mais la victime n'a pas pris délibérément cette décision. C'est quelqu'un qui a décidé de l'acheter et de l'offrir en sacrifice. Donc ce n'était pas une décision délibérée de l'animal. De sorte que, en opposition à Lévitique, hein, au sacrifice de l'Ancien Testament, il mentionne comme un sacrifice vivant dans le sens que, contrairement à Lévitique, lorsque nous offrons nos corps à Dieu, non pas dans les consciences, mais consciemment. Non pas quelqu'un qui a décidé ça pour nous, mais c'est nous qui décidons personnellement de le faire. Un sacrifice vivant. Et il va ajouter, offrez vos corps comme un sacrifice vivant.
Deuxième élément, c'est que sacrifice saint. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, un sacrifice saint? C'est-à-dire, un sacrifice, vous savez très bien ce que signifie le mot saint, mis à part. Si vous avez décidé de mettre vos corps, votre corps matériel, au service de Dieu, vous l'avez remis à Dieu, cela signifie ce corps ne vous appartient pas. Je ne vais même pas jusqu'à dire, comme Paul dans 1 Corinthiens, qui nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Non, ici, il est question que moi, en tant que chrétien, qui suis conscient de ce que Dieu a fait pour moi, de son amour, de sa miséricorde, et je décide de lui remettre mon corps. Comme un sacrifice vivant, c'est une décision délibérée que j'ai moi-même prise. La deuxième chose, c'est, signifie que ce corps ne vous appartient plus. Parce que vous êtes conscient de ça, du sacrifice que Jésus a offert pour vous, de votre corps, de sa compassion, de sa miséricorde, et vous lui avez donné ce corps, et ce corps ne vous appartient plus, et puisque ce corps ne vous appartient plus, ce corps ne peut plus être au service du péché. Ce corps, c'est le corps de Dieu. Un corps, c'est-à-dire un corps qui est mis à part pour un saint service. Un corps qui est mis à part. Parce que je vis dans ce corps comme une enveloppe, mais j'avais décidé de remettre ce corps à Dieu. Ce corps ne m'appartient plus. Je ne peux plus traiter ce corps comme bon me semble. De sorte que le corps est devenu saint. Pourquoi saint? Pas dans le sens de sans péché. Hein? Nous tous là, nous sommes saints, pas parce que nous sommes sans péché. Qui peut me dire pourquoi sommes-nous saints? Vous êtes un peuple intelligent. Pourquoi sommes-nous saints? Parce que nous avons été mis à part pour Dieu. Cette sainteté ne fait pas appel à tâches, parce qu'on est immaculé. Mais dans le sens qu'on est mis à part. De sorte que vous avez délibérément choisi de mettre votre corps à part pour Dieu, dont ce corps est saint, c'est un corps qui est au service de Dieu et non à mes propres services. Donc, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Mais aussi c'est parce que je suis dans le monde, mais ce corps ne m'appartient pas. Je traite ce corps comme Dieu me l'a recommandé. Et la deuxième chose qu'il va dire, la troisième chose, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quand est-ce que quelque chose est agréable? Ça pourrait avoir le sens de logique, de conformité. Sorte que agréable à Dieu parce que c'est un corps que je traite, non pas selon mes lois, selon mes principes, mais selon l'ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui me dicte quoi faire avec ce corps. Et je traite ce corps en rapport avec la loi de Dieu. Et n'est-ce pas vrai, ce corps est comme un sacrifice agréable parce que Dieu prend plaisir à regarder la façon dont je gère ce corps pour lui. Mais comme Dieu n'aime pas exercer de la pression sur qui que ce soit, forcer personne à faire quelque chose, c'est pourquoi l'apôtre Paul a mentionné comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire j'ai choisi délibérément de mettre ce corps au service de Dieu. Saint, j'ai choisi que ce corps ne m'appartient plus, je le traite selon la volonté de Dieu. Agréable parce que je traite ce corps non selon mes principes, mais selon les principes du ciel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi un culte? Dans le dictionnaire Larousse ou autre, Petit Robert, on va parler de culte, une cérémonie sacrée qu'on offre à un Dieu pour honorer Dieu, pour lui rendre hommage, pour le glorifier, pour ce qu'il est. Ça, c'est un culte, un service. Mais l'autre sens populaire, le culte peut aussi signifier un service général qu'on offre à Dieu. C'est pourquoi, chez nous, quand on fait la prière du matin, on l'appelle comment? Le culte du matin, le culte du soir. C'est un service qu'on rend à Dieu. Même si l'objectif n'est pas de glorifier le nom de Dieu, mais tout ce qu'on offre à Dieu, tout ce qu'on fait pour Dieu s'appelle un culte. À ceci, prenons le temps de réfléchir. Nous ne pouvons pas savoir combien de cultes que vous et moi nous rendons à Dieu par jour. Tout ce que nous faisons en tant que chrétien,
c'est un culte. Parce que nous vivons dans ce monde pour honorer Dieu. Nous vivons pour Dieu seulement. La seule différence qu'il y a, c'est que le culte peut être accepté ou rejeté. Tout dépend de l'esprit qui nous anime, n'est-ce pas, qui nous a animés en offrant ce culte. Mais toutes les fois que ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous vivons pour Dieu, tout ce que nous faisons chaque jour, ce sont des cultes que nous rendons à Dieu. En d'autres termes, en tant que chrétiens, notre vie, c'est une vie de culte. Parce que tout ce que nous faisons, que nous le voulions ou non, c'est un culte adressé à Dieu. C'est donc pourquoi l'apôtre Paul va dire, vous êtes une lettre connue et lue de tous. En tant que lettre connue et lue de tous, ce qui signifie que, en tant que chrétiens, nous sommes condamnés à ne vivre que pour Dieu. Quand nous arrivons quelque part, que nous le voulions ou non, on nous reçoit pour ce que nous sommes, tout dépend de notre manière d'agir. Et ceux-là qui savent que nous sommes des chrétiens, ils s'attendent à ce que notre agissement, n'est-ce pas vrai, soit conforme avec la parole de Dieu. Gandhi disait, si les chrétiens agissaient comme Jésus-Christ agissait, on n'aurait même pas besoin de parler de Jésus, tout le monde viendrait se convertir au christianisme. Et il ajoutait, les pires ennemis du christianisme, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Mais l'apôtre nous a attiré l'attention sur sa miséricorde, son amour, pour que vous et moi, nous prenions conscience que tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Aussi précise-t-il, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sainte et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout ce que nous faisons, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Mais la grande question, est-il raisonnable ou irraisonnable? Est-il conforme avec Dieu ou non conforme? Tandis que, frères et sœurs, nous autres, en tant que chrétiens, nous sommes comme un arbre qui plonge ses racines dans un sol fertile. Ce sol, n'est-ce pas vrai, une fois qu'on plonge un arbre dans un sol fertile, et l'arbre a une destination, un projet de donner du fruit. Et une fois que l'arbre est plongé dans le sol fertile, les racines vont puiser, n'est-ce pas vrai, les éléments nutritifs du sol, n'est-ce pas vrai, pour devenir un arbre géant, un arbre couvert de feuilles, feuillage de feuilles, un arbre rempli de fruits et de fleurs, et finalement, un arbre qui porte beaucoup de fruits. Imaginez un arbre qui est plongé dans un sol fertile et l'arbre est devenu géant, mais l'arbre n'a pas de feuilles, l'arbre n'a pas de fleurs, l'arbre n'a pas de fruits. À quoi sert cet arbre qui plonge ses racines dans un sol fertile? Il en est de même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs, depuis que le jour où vous et moi nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, cela signifie que nous sommes tous des arbres qui plongent leurs racines en Jésus-Christ, qui est en vérité, mesdames et messieurs, un sol très fertile. Il n'y a pas un sol plus fertile que celui de Jésus-Christ. Mais nous sommes plongés dans ce sol parce que depuis que Jésus est mort pour nous sur la croix, il a mis toutes les richesses célestes à notre disposition, ce qu'on appelle la grâce. Et puisque nous sommes des arbres plongés dans un sol fertile qu'on appelle Jésus de Nazareth, Jésus veut que vous et moi nous portions du fruit. Nous ne plongeons pas en Christ pour rien. Mais nous nous plongeons en Christ pour porter beaucoup de fruits parce que l'arbre est fertile. Êtes-vous d'accord que Jésus est un sol fertile? Oui. Frères et sœurs, chaque jour, Jésus prend soin de nous. Dans les leçons de l'école du sabbat, il nous parle. Les samedis, il nous parle. À la réunion du mercredi soir, il nous parle. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous et moi, nous soyons des arbres en santé, qui ont beaucoup de feuilles, beaucoup de fruits, et qui portent suffisamment beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs, et qui portent beaucoup de fruits. Et il va dire, puisque j'ai fini de vous donner toutes ces éducations, il va continuer avec le verset 2 pour nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que quand nous nous conformons au siècle présent, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas conforme. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que, en tant que chrétiens, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Dieu. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Vous le connaissez très bien mieux que moi. Le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter son gouvernement.
et tout ce que l'ambassadeur fait, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, il le fait au nom de son gouvernement. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? L'ambassadeur n'a pas le droit d'agir en son nom. Parce qu'il représente quoi? Un gouvernement, un pays. Sa déclaration n'est plus une simple déclaration. Parce que c'est l'ambassadeur qui parle. Et imaginez l'ambassadeur comme c'est le pays le plus populaire du monde. L'ambassadeur des États-Unis a fait une déclaration que Obama ne peut dire, moi je ne sais pas de quoi il parle. Dès que l'ambassadeur arrive à faire une déclaration, c'est la déclaration de Obama ou du gouvernement américain. Or, nous représentons le plus grand gouvernement. Le plus grand gouvernement. Et qu'est-ce qui est arrivé quand un ambassadeur ne joue pas convenable son rôle dans le pays où il est installé comme ambassadeur? Et qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement qui n'est pas satisfait du comportement de l'ambassadeur, de ses déclarations, lui donne une lettre de rappel. Quand un ambassadeur reçoit une lettre de rappel, deux choses peuvent se passer. Ou bien on va le changer de pays, ou bien on va lui enlever sa lettre de créance. De sorte que, mesdames et messieurs, tous au moment de notre baptême, nous avons reçu une lettre de créance. De quel royaume? Du royaume des cieux. Nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et tout ce que nous faisons, consciemment ou inconsciemment, nous agissons au nom de son gouvernement. Mais qui sait si parmi nous, nous n'avons pas encore reçu une lettre de rappel? Parce que notre façon d'agir n'est tellement pas conforme avec le gouvernement divin. Jésus s'est dit, celui-ci ne peut plus me représenter dans ce monde, je lui prends ma lettre de créance. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que même si Dieu nous donne une lettre de rappel, si nous nous confessons, il nous fera grâce. Le gouvernement du ciel, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas prononcé en haut, tout est accompli. Même si on nous prend là notre lettre, on nous donne une lettre de rappel, nous pouvons toujours retourner travailler pour notre gouvernement parce qu'il est rempli de miséricorde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tous ceux-là qui agissent selon la chair, il leur manque de l'intelligence. Le renouvellement signifie l'entendement, la capacité d'agir avec la logique, avec le bon sens. L'entendement signifie mes moyens à moi de faire la différence entre le bien et le mal. Et une fois que nous sommes sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous avons un entendement, n'est-ce pas vrai, équilibré et nous pouvons faire la différence entre le bien et le mal. Or, l'apôtre nous, après avoir exposé toutes ces exigences, il nous demande de faire une chose, n'est-ce pas vrai, il a adressé une demande pour que vous et moi nous ayons comment, et pour que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De sorte que vous et moi, nous devons avoir recours à l'Esprit Saint pour quoi? Pour nous donner le discernement, l'intelligence. À chaque fois que nous allons poser un acte, nous nous demandons, est-ce conforme à mon royaume dont je suis le représentant? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Renouvelés par l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, ouvriers, continuez nos frères et sœurs, ouvriers travaillent au goût du monde. Si nous remplissons fonction d'ambassadeur pour Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour Dieu. Les autres peuvent, mais nous non! Parce que nous avons une place sacrée. Nous représentons le plus grand gouvernement de l'univers. Le plus grand royaume de l'univers, le plus grand roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous ne pouvons oser nous comporter n'importe comment. Pourquoi? Parce que nous représentons un royaume extraordinaire. Mais soyez transformés par le renouvellement
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon, agréable et parfait. C'est comme il y a une petite répétition, mais il y a un progrès dans la répétition. Afin que vous discerniez ce qui est bon, tout ce qui est conforme, ce qui est agréable, c'est-à-dire qui est logique, encore conforme, et qui est parfait, car soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Oh, mesdames et messieurs, si Dieu nous a placés dans ce monde, le texte dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Certaines fois, il nous arrive de notre façon d'agir, de parler, de nous comporter, nous ne remplissons pas convenablement notre fonction d'ambassadeur. Oh, de nos jours, mesdames et messieurs, quand on rencontre quelque part certains adventistes, on ne peut même pas faire la différence entre les adventistes et les non-adventistes. Oh, mesdames et messieurs, ils sont nombreux, les adventistes aujourd'hui, qui ne représentent pas le ciel, mais volontairement, qui représentent d'autres choses, d'autres grandes personnes de ce monde. Votre façon de vous habiller peut vous permettre, mesdames et messieurs, d'être des ambassadeurs de Jennifer. Votre manière de vous habiller peut faire de vous des ambassadeurs de Beyoncé. Votre manière de vous habiller peut faire de vous des ambassadeurs de Madonna. Votre manière de vous habiller peut faire de vous des ambassadeurs de Rihanna. Votre manière de vous habiller peut faire de vous un jeune garçon qui a ses cheveux, pantalon bas, n'est-ce pas, fessou. Ou capable d'ambassadeur de Josie. Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers garçons, il y a une manière de vous coiffer, de vous habiller. Au lieu d'être ambassadeur de Dieu, vous pouvez être des ambassadeurs de 50 Cent. Mais Dieu veut que nous soyons ses ambassadeurs. Point barre. Ce matin, Jésus m'a envoyé pour vous dire, vous n'êtes pas des gens ordinaires, parce que vous représentez un grand Dieu, un royaume. Vous n'avez pas des hommes de ce monde comme modèle. Au contraire, Dieu nous a envoyés dans ce monde comme des modèles pour les autres. Oh, ils sont nombreux ceux-là qui sont des ambassadeurs, des stars de ce monde. Mais Dieu veut que nous, vous et moi, nous soyons ses ambassadeurs. Et quand il reviendra, au lieu de nous prendre, de nous donner une lettre de rappel, quand il reviendra, il vous dira, venez bon et fidèle serviteur, vous qui avez été fidèle à peu de choses, venez prendre la possession du royaume qui vous a été donné dès la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous disons amen pour ce beau message. Nous vous invitons à méditer ce message tout au courant de cette semaine. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un prix très élevé que le monde ne peut pas acheter. Nous allons mettre fin à notre culte de ce matin. Pour ce faire, nous vous invitons à vous mettre debout. En vous rappelant ce soir, à partir de 8h, 20h, que nous avons notre demi-veillée de prière. Donc, on se met debout. Et nous prenons le numéro 506. Numéro 506, prends ma vie, elle doit être à toi seul au divin maître.
Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous te remercions pour ce message de ce matin qui nous rappelle de nous offrir à toi tout notre être, tout notre corps, de nous remettre entièrement entre tes mains pour que tu fasses de nous ce que tu veux. S'il y en a qui avaient reçu des lettres de rappel, tu nous dis en ce matin que nous pouvons toujours venir à toi, parce que ta porte est toujours ouverte pour tes enfants. S'il y en a qui n'avaient pas compris quel est leur rôle dans ce bas monde, tu nous fais savoir qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas et ils doivent te voir à travers nous. Et donc nous devons nous conformer à ta parole. Tu nous appelles à plonger les regards dans ta parole et à contempler qui tu es, afin de te ressembler parfaitement, et afin que les autres puissent voir en nous qui est Jésus, celui qui veut les sauver. Seigneur, donne-nous donc de l'intelligence, donne-nous de la sagesse, pour que nous sachions comment nous conduire, et pour que nous prenions des bonnes décisions dans nos vies, et pour que ceux-là qui nous entourent, nos amis, nos camarades au travail, nos collègues de travail, nos camarades à l'école, le voisinage, que tous puissent avoir accès à toi, Seigneur. Bénis-nous ainsi. Bénis la semaine qui est devant nous. Bénis le restant du sabbat pour nous. Veille sur chacun de nos âmes. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.
allons chanter au numéro 511 pour la sortie. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée de sabbat. Nous vous remercions pour votre participation. Nous chantons toujours ta divine présence. Come.